Bonjour. Selon l'islam, depuis Adam, Allah envoie à chaque nation et à chaque époque un prophète. Il y a selon l'islam 25 prophètes, dont 4 messagers. Ce que l'islam appelle messagers, ce sont les prophètes qui ont laissé des écrits. Il s'agit donc de Moïse pour la Torah, de David pour les psaumes, de Jésus pour l'évangile et Mohammed pour le Coran. Il y a des prophètes connus et des prophètes inconnus. Par contre, le Coran nous dit que Abraham a laissé des écrits, mais ne nous dit jamais ce qu'elles contiennent. L'islam ne nous dit rien non plus sur le contenu de la Torah ni de l'évangile. Le Coran considère Jésus comme l'avant-dernier prophète auquel Allah a fait des révélations qui vont s'appeler l'évangile. Quant à Isa, d'après l'islam, c'est vraiment un prophète dont Allah aurait pu s'en passer. On a l'impression qu'Allah l'a utilisé pour impressionner les juifs par sa naissance miraculeuse, puis par ses tours de magie, pour leur rappeler qu'il est toujours le patron. Dans tout le Coran, il est appelé Isa ibn Maryam, fils de Marie, pour nous rappeler constamment qu'il n'a pas de père. L'islam ne nous dira jamais pourquoi Allah l'a privé de père, le pauvre Isa. Non seulement il lui a attribué le nom de Isa, fils de Marie, mais les musulmans eux-mêmes n'ont pas pu expliquer ni le sens de Isa, ni son origine. Le Coran le nomme constamment Isa, fils de Maryam, mais le pire, c'est qu'il s'est même trompé sur la famille de Maryam, de Marie, mère de Isa. Elle est la sœur de Aaron et Moïse et la fille d'Amram que le Coran appelle Imran. Isa, dans le Coran, est malmené. Dans la sourate 3, verset 59, il dit « Pour Allah, Isa est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. » Donc, c'est un personnage quelconque, comme tous les humains. Écoutez dans ce verset qui va résumer la mission de Isa sur terre. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Donc si on résumait la mission de Isa sur terre, il a été envoyé aux Juifs pour confirmer la Torah et leur rappeler de s'y conformer, mais aussi et surtout, ce ne sera plus lui qui est annoncé par les prophéties antérieures dans l'Ancien Testament, mais Isa va faire partie et terminer la chaîne des prophéties qui annoncent un intrus qui s'appellera Mohammed. Isa est venu donc pour confirmer la Torah, ce qui devrait faire plaisir aux Juifs, et annoncer l'arrivée prochaine d'un messager qui va s'appeler Mohammed. Quelle est l'opportunité donc de sa présence sur terre et sa naissance miraculeuse? Pourquoi Allah s'est donné autant de mal juste pour envoyer un annonciateur? Le plus humiliant pour Isa, c'est d'après moi, c'est la sourate 5, le verset 116. Imaginez votre supérieur qui vous remet un questionnaire. Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Quelle était la réponse de Isa? Isa est obligé de se justifier. Il dira, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé.
à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » La réponse de Aïssa est humiliante. Un Dieu qui pose cette question à son prophète, premièrement, soit c'est qu'il doute de son messager d'avoir détourné sa mission en appelant les gens au polythéisme, soit qu'Allah, quand il pose cette question, c'est qu'il n'a pas d'informations sur ce qui se passe sur la terre. L'islam prétend qu'il reconnaît tous les prophètes et croit en leur message, or il est incapable de nous dire qui est mort sur la croix à la place de Isa. Le seul verset qui le dit, dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Or, il y a plusieurs interprétations. Chacun des exégètes, d'après son imagination, nous donne donc une explication. L'une d'elles nous dit que Aïssa a demandé à ses élèves « Qui d'entre vous se porte volontaire pour mourir à ma place ?» Et en contrepartie, il entrera au paradis avec moi. Et c'est ainsi qu'un élève a été crucifié à sa place. Un manque de respect et une humiliation pour Aïssa par les exégètes musulmans qui prétendent respecter les prophètes. Aïssa a été remplacé, il a donc accepté d'envoyer à la mort un innocent à sa place. En plus, il n'est pas dit qu'il avait averti ses adeptes qu'il allait fuir la mort sur la croix, puisque tous sont restés à le pleurer au pied de la croix, y compris sa mère. Il les a donc induits en erreur pour des siècles. L'islam aujourd'hui, en plus de ce portrait négatif qu'il nous donne sur Aïssa, il prétend que l'évangile actuel est corrompu. Conclusion, Aïssa a failli à sa mission puisque son message, c'est-à-dire l'évangile original, ne nous est pas parvenu. Il est donc un prophète raté et il le continuera d'après l'islam à l'être jusqu'au jugement dernier. Comment ? Ben, au jugement dernier, il va descendre du ciel pour briser la croix et tuer tous les porcs de la terre. Mais on ne nous dit pas s'il y aura des compensations financières pour les éleveurs. Et quelle serait la réaction de la SPA en face de ce massacre? Aïssa va trahir une seconde fois ses adeptes puisqu'il ne va reconnaître que l'islam comme religion. Malgré cela, l'islam va l'humilier encore plus malgré toutes ces concessions qu'il va faire. Comment ? Ben, il y aura un personnage qui viendra guider l'humanité. Il sera un descendant de Mahomet qui va diriger une prière collective et Aïssa ne sera que derrière ce personnage. Si cette version vous plaît, changez de camp et surtout profitez d'un bon pâté de porc avant le retour de Aïssa.